never lay down, never give up. I am a fighter. Une journée qui commence aux aurores, ce matin le bus quitte l'hôtel à 17h30, mais voilà, on va manger dans le bus. Le trajet ce matin est de 2h30, donc pas trop le temps d'être à l'hôtel. Donc voilà, ça fait que on part très tôt, on mange dans le bus et en roulant, donc on verra la digestion ce que ça va donner. The first time that I had the breakfast in the bus actually. First time in your life, no? First time in my life. So this is the menu: rice, bread, porridge, coffee. Yeah. Anyway, food is everywhere good. De magnifiques paysages pour faire passer le temps d'un long trajet sans encombre, ou presque. Il y a Daniel Osk là derrière. Un peu long le trajet. Bon, on a vu des beaux paysages, sûrement ça déjà. On va savoir plus que quand on est sur le vélo. À Ambry, Marc l'ostéopathe soigne les petits bobos. Après 7 jours de courses difficiles, les corps ont un peu souffert. Ouais, il y a eu quelques petits échauffements au pied hier avec des petites inflammations. On essaie de faire en sorte d'aider, que ça chauffe un petit peu moins, de détendre un peu les fascias et le tep, voilà, ça aide un peu. Et Mathieu, justement, 17e au général, compte bien tenter de grappiller encore quelques places. Voilà, aujourd'hui il va falloir être costaud parce que c'est une grosse étape de montagne. Et puis bah, je vais faire au mieux pour essayer de rester à peu près là, voire gagner des places, voilà, ou s'il y a une occasion d'aller dans l'échappée. Ou... Bon, voilà, de toute façon, c'est la dernière étape, faut tout donner. Au briefing, un coureur manque à l'appel, Maciej Bodnar, mais Daniel tient à ce qu'il soit là. Wake away today, ok? Wake away. Are you okay? Ciao. Bravo. Ciao, buddy. Ciao, buddy. Ceux qui ont encore un petit peu d'énergie, qui sentent, qui ont envie d'aller dans l'échappée, là je pense à Polo, je pense à Anthony, si tu veux prendre un petit coup d'avance. C'est pas la priorité de la journée, mais voilà. Si vous voulez accompagner les vagues, n'hésitez pas à y aller. La priorité, c'est vraiment pas de finir complètement cramé et de mettre 10 jours à récupérer. Okay. L'échappée du jour est composée de 14 coureurs, dont Paul Ourselin et Mathieu Burgodeau. À mi-parcours, les hommes de tête comptent plus de 7 minutes d'avance, mais le peloton réduit l'écart. Au pied de la dernière montée, ils sont encore 12 à l'avant. C'est finalement Thibaut Pinot qui s'impose. Mathieu, lui, réalise encore une très belle étape en terminant 15e. C'est d'abord retrouver un premier temps tout seul et moi, c'était mon objectif. Je voulais essayer de prendre une belle échappée qui pouvait aller au bout sur ce Tour de Suisse. Après, Mathieu m'a rejoint, ça pouvait... C'était un double objectif, on veut aussi lui d'un proche au général. Malheureusement, j'avais pas les jambes. J'ai fait beaucoup d'efforts en début de course, beaucoup d'efforts dans la semaine. J'ai les jambes qui m'ont lâché quand Thibaut Pinot a attaqué, j'ai pas pu suivre le rythme. Mais bon, c'est comme ça, pas de regret. Je pense que c'est les jambes qui parlent. Voilà. Puis il y a Mathieu qui ponctue encore une belle journée et un beau Tour de Suisse. Donc c'est cool pour l'équipe et c'est prometteur pour lui. Quoi. Demain, l'équipe disputera un contre-la-montre individuel de 25,6 km autour de Vaduz, une épreuve qui viendra clore ce Tour de Suisse d'ores et déjà réussi pour l'équipe. Quant aux prochaines immersions, vous pourrez les retrouver tous les soirs, après chaque étape, pendant le Tour de France.